Citizen Mike. Salam alaikum, salam alaikum. Bienvenue sur ce plateau du concours Citizen Mike. Citizen Mike, le micro-citoyen Batou Askanoui, comme son nom l'indique, est une initiative du mouvement Yon Amar et de Ford Foundation. Je tiens juste à dire, hein, moi, d'outils politiques, Kassé. Quand on parle de gouvernance locale, toi, tu as un regard. Avant le mois de Ramadan, il y a 3 jours de formation. Ces jeunes ont été formés en citoyenneté, ont été formés aussi par rapport à la gouvernance locale, qui est le thème de cette première édition. Citoyenneté et gouvernance locale. Ils ont eu à avoir un échange durant toute une journée au centre culturel Blaise Senghor avec Dr Diallo Diop, qui leur a parlé de citoyenneté, mais aussi Mundia Essis, qui a partagé son savoir avec ces jeunes en matière de gouvernance locale. 13 jeunes d'un peu partout du Sénégal, Richard Toll, Ziguinchor, Kaolack, Thiès et Dakar et sa banlieue. Nous avons eu aussi à avoir Matador, qui a parlé de son expérience de BMJ 44 à Africulture Urbaine, Tchad du groupe Kergi, Djili Bagdad, 5e Underground, et Cap de Cess, qui ont partagé aussi leur expérience avec ces jeunes. Citizen Mike ce soir, ici même à Vibe Radio 102.3, le nouveau son. Citizen Mike, beaucoup de gens, le concours, vous savez, c'est un concours à thème. Un événement Yon Amar et Ford Foundation. On va montrer aussi les demi-finales, leurs prestations scéniques, le pourquoi ils ont été retenus. Yalla musul ni ci crise multidimension. Yeah 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 yeah. Il est question de lutter contre la légèreté des textes. Le rap d'aujourd'hui parle de clash, des motrips et de sex. Citizen Mike, un rap conscient. Artiste ou génération, vous m'expliquez. Le politique de gouvernance, c'est-à-dire qui réunit nous, nous sommes citoyens, nous sommes citoyens, nous sommes citoyens. Il y a un rapport que nous devons avoir avec ce que nous devons nous dire. Nous avons encouragé l'initiative, nous avons encouragé le projet Bini. Vraiment, nous avons une première fois ici au Sénégal. Nous avons encore une année qui est top. Madame Eva Kenama, du Ford Foundation. Dès que amour conseil municipal, vous êtes un petit peu plus facile à municipal. Chegou 1 million de francs CFA. MOJO Mojo! Salam alaikum. Koufinek, Manglay Nuyu, à qui pour quoi Hamantelini? Avant tout d'abord, demain je vais mention spéciale à Yon Amar and Ford Foundation. C'est très intéressant parce que amna développé na ñaari volé yo xamni nekul won ci li nga xamni da na ci gëssu lu bari gaay expérience bu ñu partager ak ñun ça a été vraiment fructueux et ku ci nekk ci ñun tu as eu quelque chose bo xamantene tay amana bala ngay ñëw fi amoko won. Comme vous venez de le voir, Citizen Mike, la dernière ligne droite. Voilà, on a eu les 13 finalistes, on a eu les parents, vous avez vu les scènes. Encore une fois, merci aux parents qui nous ont donné un peu de leur temps, voilà, de témoigner. Merci à la 2S TV, merci à Ford Foundation de soutenir ce projet Citizen Mike. Merci au mouvement Yon Amar. One love, la famille.